Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox. Salut Katox! Salut. Et on s'était quitté sur un décès de ma part et un potentiel décès de ta part, ce que je veux comprendre. Le truc c'est que je veux pas mourir. Voilà, en gros. Donc, on va commencer à récupérer un peu de quoi retourner chercher. Il me reste un PV. Ah, propre. Littéralement. Un PV. Et là, je suis en train de courir vers la base, vers la base de pierre pour avoir la cover. Et c'est bon, je suis sauvé. Est-ce que je ferais pas... Oh, un fusil d'assaut, ça fera le taf, un fusil d'assaut. Allez hop, c'est parti pour un fusil d'assaut. Les poses super bien timées. Voilà, j'ai des grenades, j'ai un fusil d'assaut. Est-ce que je fais un tank? Ça pourrait t'aider quand même. Ouais, de mémoire, c'était pas la teuf, ouais. Alors, il est où ce tank déjà? Il est dans le premier? Ouais, il est là. Des plaques d'acier, des circuits avancés, des moteurs. Ouais, ça doit être trouvable, ça. Ok, ce qu'il faut là, il nous faut du coup des moteurs, il y en a plein là-bas. Alors oui, je pourrais demander à nos copains robots là qui m'amènent des trucs, mais ils ont autre chose à foutre là pour l'instant. Voilà, on a suffisamment. Et il manque quoi? Du plastique. Du plastique. Allons-y pour du plastique. Est-ce que je t'en fais un pendant que j'y suis? De tank. Tu veux dire le temps comme je suis en train de conduire là? Ah, et t'en avais déjà un? Ouais. Ok, bah j'en fais qu'un seul alors. Noté. Alors, il nous faut du charbon pour le tank. On a ce qu'il faut. Il nous faut des munitions. Et des grenades en cas de besoin. Parfait. T'es pas mort toi du coup? Non. Bon bah parfait. T'es parti nettoyer un peu mon coin ou absolument pas? Là où j'étais mort? Je sais même pas où t'es mort en fait. Oui, vu là où t'es, effectivement, probablement pas. Je sais même pas où t'es décédé. Est-ce qu'on peut faire des marqueurs sur la map? Normalement, je crois que je suis mort dans ce coin-là de mémoire là. Nouveau marqueur. Cadavre. Icône. Je sais pas moi. Une coche. Tu le vois Ah ouais, mon marqueur? je vois. Il me semble que c'était par là. Ou alors par là, je sais plus. Peut-être par là, peut-être par là. Qui sait? Qui peut savoir finalement? Nous sachons. Alors. Alors, le tank. Voilà, c'est fait. Boum. Merde, j'ai mis à l'envers. What the fuck? Alors, il me faut des trucs de réparation aussi. Je peux en faire des trucs comme ça. C'est parti. Ah, le petit robot qui arrive pour me réparer comme un grand, c'est beau. Brave petit robot. Brave petit robot. Bon. Allons vérifier l'hypothèse du cadavre. Donc ici, ça avait été nettoyé. Ici, ça avait été nettoyé. Du coup, est-ce que je vais continuer vers le bas ou pas? Ça a bien l'air d'être là, ouais. Alors maintenant que j'ai plus mes petites tourelles pour m'aider, ça va être un peu plus long par contre.
Je vais faire sur le... l'arrivée. Cramer les crashers là, voilà, ça c'est fait. Ah la vache, c'est carrément plus long. Ok, je suis décidé. Ah merde. Voilà. C'est ils ont vachement muté ces machins. Hein. Bon, on n'est pas bon là. Franchement, on n'est pas bon. Merde. Pourquoi qu'est-ce que t'as fait des chargeurs? J'avais déjà du chargeur là. Qu'est-ce que t'as foutu de l'autre chargeur? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il m'a perdu mon chargeur, ce con. J'ai pas compris. On va réparer aussi au cas où. Oh, c'est A, voilà. On est reparti. Putain, ouais, j'ai plus de lunettes à vision nocturne non plus là. Ah, quand y a plus, c'est la mort. Hein. Ah ouais, hein, quand on a plus la technologie, ça déconne plus là. Est-ce qu'il est là mon cadavre? Je suis même pas sûr de le voir en fait. Si, j'étais mort plus ou moins en plein milieu du tas, je crois. Les crashers sont globalement plus fragiles que les autres, ça c'est la bonne nouvelle. On tient un petit peu trop d'acide partout hein. Oh là là, quand ça crame de la munition, c'est un truc de fou. J'espère que mon cadavre n'a pas disparu avec le chargement-rechargement parce que j'arrive pas à le voir. Ce serait ma foi bien triste. Putain, je vais pas avoir assez de munitions hein. Ah, j'ai plus de munitions quoi. Il reste deux petites saloperies qui me poursuivent, j'ai plus de munitions. Ah, mais je peux balancer des grenades en conduisant. Ah bah, pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Mais ça, si ça c'est pas de la bonne nouvelle. Bon, c'est un peu tendu de viser. Mais c'est pas grave. Et puis pareil, je commence à cramer pas mal de carburant aussi. Non, on va se réparer. Bon là, je dois commencer à les avoir un peu diminué quand même. Là. Rendez-moi mon cadavre. On se l'a dit, les grenades manquent un peu de DPS aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Ok, j'ai plus de balles. Vache quoi! Ils ont la vie dure les petits sagouins. Et j'ai. Je le sens mal là. Ah, ça. Bon après, rien de non plus irrécupérable, hein, mais. C'est un peu triste quand même. On peut descendre là non? Il me semblait. Ah, peut-être pas.
vais bien dire un petit robot, mais attendons que je me rapproche. Faire le tour par là, mais en faisant le tour. Hein. Ah putain, il y a un peu à chier le frein de ce tank. Bon, allez, donc ils vont réparer. On va retourner chercher des munitions. Et à tout ça, on n'aurait pas quelques obits de rab là? Ouais, voilà, on a 38 obus explosifs là. Ça pourrait peut-être aider ça. Non, pas une bonne idée ça. Hop là, voilà. Alors on va en prendre. Hop, 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 et hop, voilà. Il me faudra du charbon aussi. Voilà, j'ai récupéré le cadavre. Bien joué. Putain, la pop-up Windows qui s'ouvre en plein milieu, j'aime toujours plaisir. Ça va, t'es pas en plein combat. Ouais. Oui, j'ai fini de copier ton fichier, alors je vais refoutre la fenêtre au premier plan parce que c'est une killer feature. Merci. Ou vous appuyez sur la touche majuscule 5 fois de suite. Ah non, mais je comprendrai jamais cet OS, hein, sérieusement. Vivement que je puisse m'en débarrasser pour le jeu. C'est moi qui vous le dis. Alors, des munitions, du carburant, on va charger les obus explosifs. Voilà, là ça va moins déconner là. Allez, en avant. Est-ce que je peux lancer ça aussi? Le signe en mode Terminator. Bah non, ça va chier. Voilà, je lance même mes explosifs de falaise à travers la fenêtre. Pas souci. Est-ce que ça fonctionne pour tuer des monstres? Bah, je vais tester, je me posais la question, mais... Détruit les falaises, c'est pas marqué que ça fait des dégâts. On va tester, parfait. Écoute. Non, je peux pas le lancer sur autre chose qu'une falaise, visiblement. On va buter ces petites merdes, là. Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Alors, ce qu'on va prendre, c'est... On va prendre les obus. Voilà, ça fait le taf, déjà. Ok, on va se re-switcher. Bon, ça fait plaisir les obus explosifs, mais j'ai effectivement l'impression qu'il n'y a plus mon cadavre. Hein. Extra. Comme tu dis. Bon, en tant qu'un. Si tu veux, j'ai une armure modulaire qui est encore. Que j'ai encore, si tu veux. C'est pas l'armure de puissance, mais ça sera déjà mieux que rien. Bon, de toute façon, si c'est effectivement ça, je vais rentrer. Enfin, je vais rentrer puis tout reconstruire. Hein, mais... Ok, alors le tank a pris un peu cher, on va réparer. Si tu veux bien t'arrêter de rouler, tank. Non, tu veux pas t'arrêter de rouler. Ok, alors niveau munitions, bon, ça ressemble à quoi? On est pas mal, on a des grenades. En avant. Il fait nuit, on n'a pas peur, on a un radar. Il y aurait surtout des petites merdes cracheuses là, ça se négocie bien la mitrailleuse ça. C'est marrant parce que là où on pointe avec la souris pour tirer, ça s'éclaire dans la nuit. Alors bon, ça, techniquement c'est pas hyper cohérent. C'est pratique. C'est pratique, je dis pas le contraire. Ah, j'avais pas réalisé que les petites tourelles laser sur les épaules elles faisaient autant de DPS quoi.
Ah si si, elle tabasse. Allez, on va finir ça. Voilà, maintenant il n'y a plus de... Il n'y a plus de nid. Ah si, il en reste un ici. Voilà, il n'y en a plus. Bon, il reste des crasheurs là. Bon. Ben, je vois pas de cadavre moi, hein. Parce que vous en pensez, mais... Je n'en vois pas non plus. Ouais. Ça sent l'arnaque. Merde, j'avais pas pensé à ça, le coup de la sauvegarde qui fait disparaître le cadavre. Pourtant, quand j'ai chargé, c'était bien marqué que j'avais été tué. A tout hasard, tu te souviens pas si sur la map il y avait ton cadavre quand t'es mort là? C'était pas marqué, non. Ouais, donc c'est assez improbable que... Après, si t'es mort pas loin d'un tank, normalement, il faudrait les restes du tank, quoi. Bah ouais, c'est ça, je me dis, je vois ni reste de tank, ni cadavre, ça sent le pâté, quoi. Je vais jeter un oeil à ce nid-là pour être sûr, mais... Ouais, non, c'est pas du tout ça. Non, non, j'étais mort là, en étant coincé par la forêt à essayer de m'enfuir au milieu du camp. Ouais. Donc non. Je l'ai dans l'os. Bon bah, rentrons se rééquiper, j'ai envie de dire. Hein. Que dire d'autre? À part hashtag tristesse. Tristesse et chocolatine. Tristesse et chocolatine, certes. Tout va mieux avec un pain au chocolat. Faites voir. Alors, normalement j'ai fait un gros trou dans la falaise, donc maintenant on peut passer, et les monstres aussi, nickel. Allez, on s'arrête là, on tombe pas à l'eau. Putain, elle vient verte la flotte, j'avais pas fait gaffe. Excellent. Ah, pollué. Ouais. Ah, effectivement. C'est un magnifique vert qui donne bien envie. Vert uranium. Vert uranium, c'est ça. Il brille pas encore suffisamment. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ah ouais, tu vas tellement plus vite que moi. Alors, il faut quoi? Des processeurs et des éléments de moteur électrique. Oh, bah on va pouvoir faire ça, c'est pas un souci. Est-ce que, en attendant, je peux fabriquer une machine? Parfait. Est-ce que j'aurais pas un truc de... Oh ouais, mais de toute façon, j'ai plus mon... Alors, les processeurs avancés, est-ce qu'on en a en rab ou est-ce qu'ils sont complètement en dèche? Ouais, on en a quelques-uns. Alors, je veux une armure. Il me faut, on a dit, des moteurs électriques. Ça, on en a plein là. Enfin, on en a plein. On a 19, mais c'est quand même plein. Ok, on a suffisamment. Ça, on peut le virer, ça. Ça sert plus à rien. Ouais. Il me faut des processeurs bleus. Est-ce que je peux fabriquer des processeurs bleus? Non, parce qu'il faut de l'acide sulfurique. Fuck. Oh, il y en a plein là. Hop, voilà, c'est cadeau. Alors pourquoi vous travaillez pas vous? Parce que vous avez pas assez de structure. Ça y est, c'est parti. Ah merde, je me suis planté. Je voulais le désactiver une fois qu'il aurait fait ce qu'il fallait. C'est parti. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit truc, on va prendre un truc là, là on va dire qu'on veut
uniquement des moteurs. Et dedans, on va absolument pas faire ça. On va mettre tous nos moteurs. Voilà. Hop, une armure de puissance, ça c'est fait. Je t'en fais une aussi avant que j'y suis ou pas? Oh oui. Attends. De puissance ou de puissance MK2? Bah c'est la dernière qu'on a, la meilleure là. La puissance j'ai déjà. Ok, je t'en fais pas du coup. Naughty. On récupère ça. Alors. Maintenant qu'on a ça, il va nous falloir des batteries personnelles, des panneaux solaires portatifs. On va déjà tous les faire. Équipement d'immunité au convoyeur, non. Un exosquelette. Ouais, bof. Ah, des visions nocturnes, oui, il nous faut ça, des visions nocturnes. Et donc il nous faudra une batterie. Pour ça il nous faut... C'est quoi ces tuyaux là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouah, il y a une couillasse quelque part là. J'ai dû déposer des trucs à un moment et me gourer complètement de ce que je voulais déposer. Hop, repose ça, toi, ici. Tu vas me faire une batterie personnelle. Non, pas ça. Non, il faut faire des batteries normales avant. Des batteries normales? Il en faut combien si je veux faire ça? 10. Bon, bah, écoutez, surveillons. J'ai l'impression qu'il va me manquer des barres de fer. Voilà. C'est quoi, c'est clic droit, ouais, c'est ça. Hop, hop. Hop. C'est long! Je me demande si c'était pas plus rapide que je les fasse moi-même, quoi. Pas sûr. Le truc, il prenait pas mal de temps. Ah, mais d'accord, c'est ça qui chie en fait. C'est parce que dans ce coffre-là, j'ai pas dit que je voulais juste ça. Du coup, les mecs, ils posent des tuyaux dedans. Ah, ça, c'est risqué, ça. Alors, attendez, il fait quoi ce truc? Ah, du coup, ce truc-là, il veut uniquement des. Châssis de robot volant, voilà. Ah, j'ai pas percuté ça, tiens. C'est intéressant. Est-ce que du coup, là, ces tuyaux, en fait, ils foutent la merde dans la chaîne. On est à 7, il nous en faut encore 3. Ah, on a notre... lunettes de vision nocturne, on n'a pas de batterie donc elle va pas être hyper utile mais... ouais, arrête-toi. Voilà. Une batterie, alors du coup maintenant ce qu'on veut c'est une batterie comme ça. J'essaie de prendre le réflexe d'utiliser les trucs d'assemblage plutôt que le faire moi-même, mais ça demande un peu de concentration par rapport à cliquer dans l'inventaire comme un gros sac. C'est quand même vachement pratique de cliquer dans l'inventaire comme un gros sac.
Ouais, on est d'accord. C'est Ah, bon. on a plus de courant. Ah, c'est revenu. Ça a dû être une attaque sur les tourelles. Ouais, il y a une grosse attaque simultanée. Ah y est, on a notre batterie. Et du coup, maintenant, il nous faut des petites tourelles de défense portatives. Comment c'est déjà? Tourelles de défense personnelle. Oh, ça coûte hyper cher. Du coup, il nous faut du ça. Hop. Il va nous falloir encore du processeur bleu, mais on a quand même un peu d'avance. On n'a pas assez d'avance. Il nous faut des tourelles normales. Donc ça, normalement, on devrait en avoir. Hein. Voilà. Et du coup, des processeurs bleus. Et on part là-bas, les processeurs bleus. Ouais, sauf que du coup, maintenant que ça fonctionne, c'est la dèche de processeurs bleus. Laissez-moi deviner, ouais. Va falloir qu'on augmente nos processeurs bleus. Encore? Bah les bleus, je crois qu'on les a jamais augmentés, on a toujours qu'un en fait. Ah oui, c'était les rouges qu'on avait fait. Et bah sans surprise, hein, il faut du rouge pour faire du bleu, mais. Trop compliqué pour moi. Ouais, je comprends. Ah putain, il faut du vert et du rouge pour faire du bleu, quoi. C'est de violence. Ok, j'ai peut-être aussi vite. Bah non, putain, faut de l'acide sulfurique pour les faire, on peut pas les faire nous-mêmes, fait chier. Aïe 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 aïe. Oula, putain. Ah, et quand on a des attaques la nuit, ça galère quand même, hein. Lesquels vous ça? Bah, les panneaux solaires fonctionnent plus du coup. Ah oui. On Bah, sent que je la. suis pas sûr que ce soit des panneaux solaires qui bougent beaucoup, tu sais. Bah, je sais pas, le jour ça a pas l'air de se produire. Ou alors on a des attaques simultanées, je sais pas, mais. Il en faut 20. Ouais, on en avait 19, je crois. Ça fera le taf, les autres ils viendront à nous. Allez, cours. Ah, ça fait déjà 3 fois qu'on est en dèche de courant, quoi. Je crois que ça commence à être tendu du string là. Satisfaction. Ah, mais on produit plus rien en fait. On produit 7 MW seulement. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu un shortage de charbon en fait. On n'a plus de charbon, sérieux? Il y a eu un. Ah oui, bah ouais, bah faudrait qu'on ait des bras thermiques ici en fait. Comme ça, il redémarrerait tout seul. Je pense que c'est la seule utilité des bras thermiques d'ailleurs. Ah ouais, dis donc la vache. What the fuck, le charbon là? Il y aurait pas un, il manquerait pas un tapis? Ah non, il arrive là. Ah non, pardon, j'avais pas vu le. La vache. Comment ça se fait? Ça c'est. Ah ouais, mais en fait il y en a plein dans les réserves, mais la coupure d'électricité a automatiquement foutu la merde en fait. Du coup on est en train de se faire défoncer parce qu'il n'y a plus de courant pour les. Mets du charbon dans les chaudières à la main à la limite, mais Ce que je fais. La vache. Putain, c'est comment déjà qu'on fait pour poser ces contrôles? Ah la vache, le drame quoi. Qu'on se fait attaquer, putain, on se fait percer le camp. Bon, attends, je vais aller m'occuper des défenses. Non.
En bas, c'est bon. Je te laisse gérer le charbon. Faudra aller faire le tour, voir ce qui a tenu, ce qui a pas tenu, quoi. Ouais. Ça a l'air d'être parti. J'ai vu que ça avait pété du côté du train, là. Faut que je fasse gaffe de pas me faire rouler dessus. La première fois que je me... Qu'est-ce qu'il fait ? On a une consommation beaucoup trop grande, en fait, de charbon. Ici, ça a tenu. Laborieusement, mais ça a tenu. Il me reste des tourelles sur moi. Merde, il me reste pas de tourelles, putain. Donc ce serait vraiment qu'on consomme trop de charbon ? Vache. Bah, ah ouais, peut-être. Après, on a... On a juste deux, un aller-retour de deux wagons, donc c'est pas... Ouais. Faut faire le tour des trucs qui sont plus connectés du coup maintenant, parce que genre plusieurs sont pas connectés. Ouais, bah attends, on va arrêter l'épisode là, puis on fera ce petit nettoyage lors du prochain. Ouais. Voilà, bon, à notre premier petit échec, c'est pas grave. Hein. Oh, ça va. Il va me falloir des... C'est bon. Ouais, il va falloir des tourelles pour réparer, puis ça va le faire, quoi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à dire ce que vous en avez pensé, et on se dit du coup à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.